Bonsoir. Bonsoir la famille. J'espère que vous portez bien. L'histoire de notre frère camerounais, Bruno Bidjan. Ça doit être une leçon de vie. Non, 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 non. Non, 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 non. Ça doit être une leçon de vie. Je profite de son cas. Écoute-moi bien, je ne suis pas dans l'émotion. Arrête-moi ça, petit. Arrête-moi ça. Il y a des gens avec qui tu pars en prison. Tu penses qu'il avait toi, il t'empoisonne. Est-ce que tu comprends? Il y a des gens avec qui le président Maurice Kamto était en prison. Il combat avec toi, mais il est en mission. Ne sois pas dans l'émotion. Prends de la hauteur, écoute ce que ton grand frère va parler. J'ai décortiqué la mafia hier. La Casa Nostra. Alors, tu comprends un peu? La Vendetta. La mafia. La Camaro. Écoute ce que ton grand frère va te parler tout à l'heure. Je ne viens pas sur Facebook crier comme les autres. Ouais, non. Quand tu es dans mon direct, écoute-moi. Oui, il faut soutenir un homme. Mais l'homme-là, c'est qui? Bruno Bidjan était un serviteur du mal. Mais on nous a présenté qu'il était un exemple pour la société camerounaise. Il a dénoncé. Mais il a oublié que ce n'est pas lui qui doit dénoncer. Tu es à la mauvaise place et au mauvais endroit. Et tu es la mauvaise personne. Et pourquoi je me réfère à ces jeunes-là qui veulent la ville facile? Je veux me référer. Je prends le cas Bruno Bidjan pour m'adresser à vous les jeunes, à nous les jeunes, qui aimons la vie facile. Que voilà ce qui arrive quand tu aimes la vie facile. La vie facile n'est pas seulement de signer le pacte avec le diable. Non. C'est d'accepter ce que tu n'es pas à la hauteur, d'assumer. Ça, ce sont des faits de société. Mettons la politique de côté. Méfie-toi quand tu vas embrasser certaines personnes dans ta vie. Parce qu'à un certain moment de la vie, tu dois vouloir être libre. C'est là que tu vas te rendre compte que tu étais en prison. Écoute-moi bien, petit frère. Ce n'est pas l'émotion. C'est ce qui arrive à ceux-là qui prennent le court chemin. Tu arrives quelque part. J'ai fait une vidéo comme ça l'autre jour. Que parfois, va voir la vidéo sur ma page. Parfois, le départ parfois ne dépend pas de nous. C'est souvent des gens qui ont influencé notre départ. Mais en cours de chemin, tu vois plusieurs personnes trébucher. Tu persistes, tu avances. Ton frère tombe devant toi, il meurt. Mais toi, tu avances. Tu vois le danger devant. Parce que tu vois les gens qui sont en train de subir. Mais tu dis, moi, je m'en fous, je vais m'en sortir. Parce que tu penses que tu es un gombet. Tu vois même le tremblement de terre, les tornades. Tu dis que non, je vais passer. Ça a porté des grosses cacates. C'est parti avec. Mais toi, tu dis, je vais persister. Parce que c'est moi tel. Jusqu'à ce que toi, tu arrives, on te broie. C'est ça le diable, en fait. On hisse les gens comme les Bruno Bidjan, comme les appâts. Comme les appâts. Oui, c'est un jeune, oui. On voit comment il vit bien. Oui. J'ai toujours dit au Cameroun, les vrais hommes d'affaires, les jeunes, sont dans la cachette. Je ne dis pas qu'il n'y a pas les jeunes gars au Cameroun qui n'ont pas réussi. Ils sont nombreux, mais ils sont dans l'ombre parce qu'ils ont en face un monstre, un système qui broie toute forme de réussite positive. Non, 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 non. Au Cameroun, quand tu vois un jeune qui fait le boucan, petit frère, je suis un Camerounais moyen. Je ne sais pas quel Camerounais, moi, je ne connais pas. Je vis dans le cercle. Quand il dit dans le cercle, ça veut dire que je vis dans. On est dans le même carrefour, on se voit. Quand je quittais à l'époque dehors, j'allais au Cameroun. Je les fréquentais. Parce que j'ai tout aimé les belles voitures. Et quand tu aimes les belles voitures, eux, ils pensent que tu es comme eux. Alors que moi, j'amenais mon argent de la diaspora. Donc quand je peux t'expliquer comment ça se passe. Est-ce que tu comprends? Voilà. C'est pour te dire que quoi? Voilà ce qui arrive aux jeunes qui aiment la vie facile. Faites attention, hein. Vous ne comprenez même pas, en fait.
Vous réduisez tout à la politique. Voilà même la sorcellerie, en fait. Voilà la sorcellerie, ce que vous voyez là. Que ça nous serve de leçon, les jeunes. Mais oui, on ne boude pas la main qui te donne à manger. Quelle que soit la longueur de ta cuillère, petit, on ne trompe pas le diable. Les gens t'acclament partout, on te connaît, on t'a donné les plateaux de télévision, on te nomme, tu roules dans les grosses voitures. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ton silence, ton calme, ta loyauté en dépend de ta vie. C'est pour dire que quoi, quelle que soit la longueur de ta cuillère, n'ose jamais partir avec le diable petit. Mais le diable petit, n'est pas on est dehors chercher l'argent. On est dehors chercher l'argent, non? Vous croyez que nous, si là, on ne peut pas aller chez un ami du Cameroun ou bien un voisin, dit que voisin, prête-moi 20 millions, prête-moi 50 millions. Non, c'est parce qu'on connaît le Cameroun. Béta, tu es dans ton coin, dans ta dignité. Il y a les gars, tu vois au Cameroun là. À l'époque, il était dehors, il s'est battu. Il a acheté son terrain dans un grand quartier. Il a conçu peut-être ses petites maisons en location quelque part. Il a sa grosse Mercedes. Tu penses qu'il a 100 millions dans son compte? Il n'a pas. Il vit sa modeste vie. Je prends l'exemple comme moi. Je prends l'exemple comme moi. Il y a beaucoup sur Facebook qui disent que hey, le gars, s'il a beaucoup d'argent, tout. Mais peut-être, oui, peut-être j'ai les positions. Peut-être j'ai l'argent parce que j'ai les enfants. Mais le cash, je peux dire, je n'ai pas. Le cash, je n'ai pas. Je dis la vérité. Mais à l'époque, oui, j'ai acheté le terrain dans les quartiers chers. J'ai conçu mes petites maisons, j'ai mis en location. Je suis un Camerounais normal. Mais celui qui a les longs yeux, j'ai les voisins. J'ai des voisins milliardaires. On sympathise bien. Mais mon ami, je garde la tête haute. Je garde la tête haute. Tu vas aller chez l'autre, tu veux lui prêter l'argent. Il te dit que trouve-moi la réunion. Trouve-moi ici. Fais comme ça. Donc, l'histoire de Bruno Bidjan reflète à la sorcellerie. Comme le diable. Mais voilà ça, à Mondo Vision. Soyez sage, petit. Soyez sage. Quelle que soit la longueur de ta cuillère, ne dîne jamais avec le diable. Quelle que soit ta position, le jour qui va te neutraliser, il va t'humilier. Parce qu'il sait que toi, tu l'appartiens. Tu n'es rien sans lui. Il te tient, il te broie. Il te broie. Tu fermes ta gueule. Tu ne parles pas. Tu ne parles pas, petit. Que ça vous serve de leçon. Je ne suis pas dans l'émotion. Oui, libérons un Camerounais, oui. Mais lui aussi, est-ce qu'il peut remettre tout ce qu'il a mangé là? Il fait partie des complices. Ceux-là qui ont dépouillé les Camerounais. Est-ce que ses aînés ont le genre de voiture que lui là, là? Est-ce que ses aînés ont le style de vie que lui là, là? Il n'a pas ça. Il n'a pas ça. Parce que nous, on connaît notre société du Cameroun. Je dis bien que tous ceux qui brillent sont dans l'ombre au Cameroun. Positivement. Mais tous les jeunes qui brillent en faisant le boucan là, nous on les connaît. On a vu les Bobdas, non? Les Bobdas que vous voyez là, laissez les noms là que vous parlez. Il n'y a plus l'argent. Voilà pourquoi il ferme le chantage aux gens. Il tient les gens. Il n'y a plus l'argent. Il a le nom du fils de l'ancien milliardaire. Nous tous sommes connus en Afrique. C'est difficile de voir une dynastie perpétuée, durer pour longtemps au Cameroun. Non. Lui, c'était un gentleman. C'était un homme du one-man show. Oui. C'était un homme du one-man show. C'est pourquoi il s'intéresse au showbiz. Il est autour des influenceuses, du showbiz, des artistes. Parce qu'il sait que dans ça, tu as l'attirance des femmes, même des femmes mariées, petit. Je connais des gens au Cameroun, petit frère. Tu les vois au parcours vite. Tu vois sa voiture. Petit frère, je sais, non? Je connais le Cameroun, non, petit? Oh, oh. Tu peux être jeune au Cameroun. Tu as peut-être ta belle voiture. Tu aimes le show. Tu ne connais pas les gens. Tu ne connais pas qui, non? Je connais des gens qui partent au parcours vite le matin, il n'a pas fait son sport, les jeunes gars. Il a sa grosse Mercedes là-bas. Il ne travaille pas. Les petits que moi je connais, ils ne travaillent pas. Mais si tu veux fouiller au fond, tu vas voir que c'est un maître chanteur. Et que ça serve de leçon à ces femmes mariées là, qui s'aventurent n'importe comment. Voilà pourquoi on dit qu'on ne tolère pas l'infidélité d'une femme. Les gens ne veulent pas comprendre. Non, quand une femme part dehors, on la tient. Surtout à nos jours d'aujourd'hui. Un gars peut être avec toi. Vous faites les vidéos, tout ça. Tu laisses, il te prend. Il fait tout et tu connais ta famille. Il connaît ta famille. Je connais les voisins. On connaît la femme d'un milliardaire ici à Jakarta. La femme d'un milliardaire ici à Jakarta. On ne sait pas quelle chimie elle est tombée sur un voisin
pays africain d'à côté là, j'ai pas envie d'appeler le nom. Le gars vivait avec la femme. La femme donnait beaucoup d'argent à ce garçon. Vous connaissez le genre de fille. Vous savez, si c'est un pays musulman, il y a la polygamie. C'était une jeune fille peut-être de 38 ans. Elle gérait les entreprises de son mari. Elle était la deuxième femme. La femme donnait beaucoup d'argent au gars. C'est un gars qu'on a connu au Carrefour. Il vous a dit, ça fait 12 ans que je viens en Indonésie. Non, bientôt 14 ans, oui, qu'il vient ici là. C'est un gars que je voyais au Carrefour là. L'autre jour, on est parti le prendre en Thaïlande. Le gars s'est conçu les grosses maisons chez lui, dans son pays. Mais il a commencé à faire le chantage à la femme. Pourquoi? Parce que la femme l'a amené dans sa famille. La femme, comme c'était la femme d'un grand, un milliardaire, l'a amené même dans les trucs. Parce que c'est une femme qui était dans les trucs de showbiz, tout et tout. Elle m'a amené même dans les trucs des journalistes là. Il était là comme le gars du corps. Alors qu'il perçait comme ça les réseaux pour entrer, pour se faire connaître. Il a connu tous les gens là. Il a dit sinon je balance. La femme ne pouvait plus. On te dit que la femme a envoyé plus de 3 millions de dollars déjà au gars. Elle ne pouvait plus. Son mari a su. Maintenant, on a contacté les cellules d'ici là, c'est comme l'équivalent au FBI. On est parti porter le gars en Thaïlande. On a tout fait, ce qu'on a regroupé les preuves. On a dit que, ah, dans le type-ci là, on est parti le trouver quelque part en Thaïlande, là-bas on l'a ramené. C'est pour dire, on dit la femme, l'infidélité de la femme, ça ne se tolère pas. Parce que la femme, quand elle part dehors, un homme, tu peux. Moi là, filme-moi torse nu, envoie mes vidéos dehors, je m'en fous de vous, meuf. Filme-moi torse nu. Mais une femme, tu vas faire comment de tes enfants? Tu vas dire quoi à tes enfants? Mais un homme, mais il s'en fout, non, dis donc. Donc c'est pour dire, faites attention, vous les femmes. Vous voyez les hommes ici dehors, que c'est le fils de tel. Faites attention, il n'y a plus rien. Nous, on a Bonamous, ça veut dire avec eux. C'est le nom seulement. Il n'y a plus rien. Souvent, tu vois les immeubles là, tout ça est hypothéqué. La banque même a tout pris. C'est le nom. La vie d'aujourd'hui, il faut être wise, petit frère. Je suis là pour vous wise, petit frère. Je ne crie pas trop, regardez. Je ne crie pas trop. Je peux aussi parler chaque temps et dire que bon, je vais faire le placement de produits. Non, quand ça dépend de l'avenir du Cameroun, je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin que vous partagez. J'ai besoin que vous partagez. Le cas de Bruno Bidjan doit servir de leçon à la jeunesse qui aime le court chemin. Même s'il n'est pas même pas en prison. Voilà comment le diable t'humilie. Il t'affiche. Lui, hier, il t'a poussé comme un appât pour montrer aux autres que non, on peut réussir au Cameroun facilement. Oui, voilà un petit. Voilà, il appelle les gens, il est l'ami des ministres. On ouvre les portes au palais, ils vont faire les interviews, tout ça, tout et tout. Mais petit frère, c'est pour que tu fermes ta gueule. C'est comme ça que le diable te fait. Le diable te hisse au sommet. Mais un jour, tu es en cabale, tu commences à fuir. Un jour, tu vends ta femme. Un jour, tu vends tes enfants. C'est lui qui te pousse. Montre ta famille dehors. Montre. Quand tu t'accroches au bien de la terre, c'est le moment qui te réclame que donne-moi ton enfant là. Donne-moi ta femme là. Donne-moi ta mère. Donne-moi ton père. C'est ça la vie. Hier, j'ai parlé de la mafia. Dans la mafia, tu fermes ta gueule. Sois même le jardinier. Défiche tes gazons. Coupe les gazons. On va te payer même 10 millions. Mais ne cherche jamais la place du patron. Ne trahis jamais la mafia. Dans la mafia, c'est ça. Reste à ta place, sinon, on va finir avec toi. Ne trahis pas. Maintenant, concernant la sorcellerie, c'est ça. Il t'affiche, il te rend zinzin. Tu vois un homme se déshabille dans la rue. Donc, si c'était la sorcellerie, on peut dire à Bruno Bianco, déshabille-toi, il se déshabille. Vous voyez les milliardaires, les femmes parfois qui gardent les grosses voitures dans les carrefours. Elle s'est déshabillée, elle commence à marcher là. Oh, c'est une folle. Non, elle n'est pas folle. C'est les conditions. Sinon, ce qui t'attend sera plus grave que ça. Donc, parfois, vous voyez quelqu'un faire de certaines choses dans la rue. On dit qu'on a vu un homme, il s'est déshabillé, il a fait un tour, il s'est habillé. Non. Parmi les conditions, c'est ce qu'il a vu qui était plus facile à faire. Oui. Parmi les conditions. Bon, je prends un exemple. Si on te dit de tuer ta mère, ou bien de donner ta femme, ou bien ton enfant. Tu es un millionnaire, tout le monde te connaît. Et t'es déshabillé dans la rue. Parce que tu as commis une erreur. Tu vas faire quoi? Au lieu de tuer ta mère, au lieu de tuer ton père, au lieu de tuer ton enfant, ou bien toi-même parti, ou bien donner ta femme, tu prends le plus facile. Je me déshabille au carrefour. Et parfois, on t'envoie dans un carrefour.
ou peut-être personne ne te connaît. Mais ce qui est sûr et certain, quand tu as quelqu'un, un personnage qui a les moyens, quelqu'un va te connaître. Là, c'est la petite condition. Et quand c'est encore plus grave parfois, on te dit d'aller faire ça que dans ton village même. Donc arrêtez là de crier là. Libérez, libérez, oui, c'est vrai. Il a dénoncé, si c'est pour ça. On doit le libérer. Mais petit frère, mais sache que il est la mauvaise personne qui doit dire, qui doit trahir sa mafia. Il faut qu'on vous dise la vérité. Que pour renoncer au diable, ce n'est pas facile. Est-ce que tu es prêt de quitter au sommet, là où il t'a déposé là, pour descendre en bas, vivre comme auparavant? Parce que c'est lui qui est toujours venu dire ici là qu'il a souffert dans sa vie. Il a souffert, sa mère n'avait rien, tout et tout. Mais le voilà aujourd'hui, il a au moins 2 voitures, il est patron. Que ça nous serve de leçon, nous les jeunes. On veut la vie facile. Oui, petit frère, c'est mollo, mollo. Même moi-même hier, j'étais dans une forme de vie virtuelle. On ramassait l'argent. On faisait les business, ça donnait l'argent. Mais par la suite, on a compris. On n'est pas toujours heureux parce qu'on a beaucoup d'argent. On est aussi heureux parce qu'on peut gérer son quotidien lentement et sûrement. Et lentement et sûrement là, tu auras le vrai bonheur dans ta vie, petit. On a fait les folies de grandeur hier. Est-ce que moi je pourrais faire 2 mois? Est-ce que moi je pourrais faire 220 voitures? Pour ceux qui m'ont connu. Mais bon, voici aujourd'hui, ça fait 12 ans que j'ai la même voiture. C'est une grosse voiture. C'est pas donné à n'importe qui d'avoir le genre de voiture là. Mais j'ai ça depuis. Alors qu'à l'époque, je changeais. Pas parce que je n'ai plus les moyens de changer. C'est parce que j'ai compris que la logique de la vie demande qu'un vide. Un homme doit vivre décemment. Ne doit pas exagérer, en fait. Et qu'on a eu trop le gros cœur. Est-ce que tu peux voir un vieux père Bamileke avec une Mercedes s'il n'est pas déjà milliardaire? Nous, on veut toujours mettre la charrue avant les bœufs. Et ça nous enfonce dans un... Et ce qui est bien avec le diable, c'est quoi? Le diable, l'attitude diabolique. Parce qu'il y a ce qui veut dire, signer le pacte avec le diable, là tu es un prisonnier à vie. Maintenant, il y a aussi les gens qui ont l'attitude diabolique. Vouloir toujours mettre la charrue avant les bœufs. Vouloir toujours vivre au-dessus de ses moyens. Oubliant qu'il y a l'avenir. Oubliant que bientôt tu auras les enfants. Tu vas les envoyer à l'école comment? Parce que voilà maintenant le tournant. Parfois les difficultés de la vie nous font, on part rencontrer des personnes que normalement on ne pouvait jamais les rencontrer. Ils t'invitent par-ci, par-là, parce que tu es à bout. Tu es à bout. Il faut envoyer tes enfants à l'école, c'est la rentrée. Tu es parti les mettre dans une école, qu'à côté de ta maison, il y a une école que tu peux payer sans problème, avec tes petits revenus. Regardez bien parfois les gens qu'on trompe. C'est des gens qui ont commencé bien dans leur vie. Ils avaient une bonne vie. Mais les gros yeux, le gros cœur, l'envie des autres, les gens vont dire que quoi? C'est ça qui tue les gens ici dehors. Que la situation de Bruno Bijan vous serve de leçon. Parfois, on voit les gens, on les voit mal, mais après on se rend compte que ceux-ci ont compris. Vous voyez des artistes qui ouvrent les bars. C'est mieux au moins. La musique ne paye pas, mais au moins, il a son nom. Il ouvre son bar. Au moins, la musique ne paye pas. L'art ne paye pas. Au moins, il ouvre son truc de tarot. On se moque d'eux. Oui, c'est pour pouvoir joindre les deux bouts. Au moins, il est épargné des vices et les sévices des rapastes, des charognards qui sont dehors là. Faites beaucoup attention, la famille. Mes jeunes petits frères, vas-y doucement et sûrement. Tu es encore jeune. La maison de quelqu'un n'est jamais loin. Tu es encore jeune. Contente-toi de ton peu. Tu peux réussir, mais tu ne dis pas. J'ai perdu presque tous mes amis. Quand je regarde, je les ai tous perdus. Parce que, à notre époque, on rêvait, non? On rêvait. Faites attention. On a trompé beaucoup. L'autre vient au Cameroun, il a sa petite vie. Mais demain, est-ce que vous savez qu'il y a les Mbengis qui rentrent de Mbeng? Ils font au Cameroun, on les trompe, on les amène dans la sorcellerie. On les trompe. On les trompe. Faites beaucoup attention. Que la vie de Bruno Bijan ne réduit pas seulement ça en politique. Reste toi-même là. Prends. En tant qu'être humain, regarde-toi dans ton miroir. Qu'est-ce qui est arrivé à ce garçon? Regarde son style de vie. Regarde son parcours. Regarde ce qu'il a.
Regarde son. Regarde sa vie, son mode de vie. Ça coûte cher, non? Ça coûte cher, oui. Vous voyez, quand on parle de Bobda, on vous dit que c'est le fils d'un milliardaire. Vous voyez un peu, non? Donc, il utilise le nom de son père. Il vit à Bonapiso. Par rapport à l'autre, qui est le fils d'un pauvre? Qui est le fils d'un pauvre? Il parle de sa mère, la souffrance. Parfois, quand tu sais où tu vas, méfie-toi, petit. Parfois, quand tu sais où tu viens, pardon. Parfois, quand tu sais où tu viens, quand parfois tu tournes, tu te tournes, tu vois ton père, tu vois ta mère, tu vois dans le cadre dans lequel tu as grandi. Il y a des choses que, mon ami Beta, non, que ça vienne de toi. Pas qu'on te donne. Pas qu'on te donne. Il n'y a personne qui connaît la honte comme le pauvre. Pourquoi prendre le court chemin? Le plus dur dans la vie d'un pauvre, de quelqu'un qui est né dans la pauvreté, c'est de grandir. Quand tu grandis, tu peux. Et quand il savait que tu tombais dans un réseau, mon frère, tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule. Et si tu es dedans, sache que tu es un prisonnier. Non, sache que tu ne montes pas tes épaules. Tu es un prisonnier à vie. J'ai mon grand frère de Mbanga qui est le milliardaire Mbapté. Il y a l'un de ses ouvriers que constamment, quand j'allais m'asseoir à la fusion, je buvais mes bières. Je me rends compte que quand le député Mbapté passe, il se lève toujours. Un jour, je l'ai appelé, il dit, mais petit frère, pourquoi quand le député vient ici là, tu te lèves toujours? Il dit, petit frère, ma vie dépend de ce monsieur-là. Mais il me dit que, mon ami, tu veux que je bois une bière? Il peut me voir en train de boire deux bières, il me dit que c'est son argent. Demain, il ne me donne plus l'argent, il fait comment? Il peut même me demander que, bon, depuis 5 ans, tu as mon argent. Bon, maintenant, il faut que tu me rembourses ça. Tu es insolent, tu me vois, tu ne te lèves pas. Donc, mon ami, quand celui-là voit le député, il ferme sa bouche. Il dit que grand frère, ça ne suffit pas. Hein? Même quand je vois ses frères, ses soeurs, je me lève parce que ma vie dépend de celui-là. Bruno Bidjan, ce que tu as fait, c'est bien. Dénoncer. Mais regarde que toi-même, là, ta vie dépend de ces gens-là. Il faut qu'on dise la vérité aux jeunes qui veulent le court chemin. Arrêtons ça. On l'a présenté comme un exemple de société. Le système, il était un appât. Il était un appât. À cause de lui, il y a des jeunes qui ont dormi l'esprit. En attendant que eux aussi, on les copte. Qu'on les copte. Donc je profite de ça pour m'adresser à vous qui aimez le court chemin. Que le diable, que la mafia ne te donne rien pour rien. C'est clair et net. Il faut qu'on soit d'accord. Et pour dire ceci, il était la mauvaise personne et au mauvais endroit. Ce qu'il a fait là, il est ignorant. Et comme j'ai dit, il n'a pas un bon père. Son père qu'il a commencé à présenter ces derniers temps-là. Et que ça serve de leçon pour ceux-là parfois qui grandissent avec leur mère et le mari de leur mère. Et que par la suite, parce que ton père est quelqu'un que les gens connaissent, tu viens le présenter en public. Tu l'honores en public. Faites beaucoup attention. Parfois, ton père, celui qui t'a élevé, tu as grandi avec lui. Il peut te dire, il peut te mâcher que petit frère, hey, tu es en train de fuck up. Mais comme ton père est aussi un journaliste, ton père biologique, comme c'est aussi un journaliste, tu t'es tellement collé à lui ces derniers temps, il ne peut pas te dire certaines vérités. Parce que lui-même, il se cherche. Parfois, l'homme que ta mère a épousé a de l'amour pour toi. Pourquoi? Parce que il te dit la vérité. Parce que tu es son enfant, en fait. Il ressent cet amour de père, la chaleur, que tu es son enfant, parce que tu as grandi avec lui. Personne ne serait content qu'il ait élevé un enfant jusqu'à un certain âge et qu'on vienne l'arracher cet enfant-là. Et que cet enfant se retrouve dans des situations difficiles qui ne lui disent pas la vérité. Mais vous allez voir le vrai père biologique qui finit par reconnaître l'enfant à un certain âge. Mon ami, lui, c'est son intérêt. Surtout quand il n'est pas socialement posé dans sa vie. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention, mes chers frères et sœurs. Faites beaucoup attention, petits frères. Voilà le pourquoi, quand on parle malgré tout, Apuchu, regardez comment Apuchu encense le mari de sa femme. Et c'est ça aussi la grâce. Mais on a vu Bruno Bidjan.
Il ne parle pas trop du mari de sa mère. Au départ, il parlait de lui. Il le respecte, oui. Mais vous voyez, ce dernier moment-ci, là, il affiche plus son père biologique. Faites attention. Même la nature, parfois, ne nous pardonne pas. Faisons beaucoup attention. Des personnes qui nous ont aidés hier, tant ceux aujourd'hui qu'on vient présenter en public comme les trophées, quand Dieu nous encense, quand Dieu nous élève, demain, on remercie le diable. Voilà le salaire de ça. Parce qu'un vrai père, c'est celui qui a élevé l'enfant. Il ne t'a pas fait les attouches. Il ne t'a pas violé. Il a pris soin de toi. Tu as grandi avec lui. Le pire n'était pas arrivé. Mon ami, considère-le comme un père à vie. Prends ses conseils à vie. Voilà ton vrai père. Il y a les papas gombistes ici dehors qui ne te disent pas la vérité. Même quand le pire arrive, non, non, il s'en fout. Lui, c'est l'argent. Je ne comprends pas comment on allait arrêter le patron d'une chaîne de télévision. Tu laisses ton fils dire n'importe quoi. Un vrai père, comme j'ai dit hier. Mais tu ne peux pas le trouver. Hé, hey, tu fermes ta bouche. Je suis expérimenté que toi, mon fils. Fais attention. Mais tu te limites du fait que la vie de ton fils a changé. Tu te limites du fait que tu attends quelque chose de l'enfant. Et voilà le salaire de ça. Voilà comment l'enfant part devant tes yeux. Faites beaucoup attention, jeune frère. Je dis tout dans la vie. Ça, c'est la leçon de vie que vous devez me payer. Et qu'en réalité, vous devez mettre les étoiles. Vous devez aller dire Mbanga Diaspora pour toutes les actions que tu mènes. Pour le Cameroun. Pour les frères du Nozo. Que tu prends en charge là-bas en Banga. Vraiment, voilà 50 000, voilà 100 000 dans ton range money. C'est comme ça qu'on fait dans la vie. Ne venez pas seulement là sur Mbanga Diaspora. Vraiment, c'est un chef de vieux. Ce que tu as dit, ça a changé ma manière de penser. Ce n'est pas bien ce que vous faites. C'est comme ça qu'on fait pour encourager quelqu'un qui dit les choses comme il se doit. Bruno Bidjan, oui. C'est un jeune Camerounais, oui. À un moment, on a commencé à l'aimer parce qu'il a les qualités, oui. Tu dis, donc celui-ci aussi peut être du bon côté. Oui, il était du bon côté. Mais rappelle-toi que sa vie est comment? Tout ce qu'il possède là, ça vient d'où? Tu ne peux pas manger, ton ventre est plein. Tu vis bien. Tu trahis la mafia. C'est clair, tu dois payer le prix. Tu dois payer le prix, les gars. Tu dois payer le prix. Tu dois arrêter de venir faire la pitié devant les gens. Voilà ce qui arrive à ceux qui signent le pacte avec le diable. Mais c'est vrai. Il faut tout participer. Vous voulez quoi? Participer. Comme ça qu'on fait. Mettez les étoiles. Participer. Hein? J'ai un petit là qui est malade. Il faut participer. Un petit là, j'ai un petit là chez moi en Banga là-bas qui est malade. Il faut participer. Vous voulez quoi? Participer pour que on continue à faire les vidéos pour sensibiliser la jeunesse. Vous croyez qu'avec l'intention aussi là, on va faire comment? Participer, c'est très important. Voilà, ça, c'est épinglé là. Ne restez pas là seulement, vous prenez seulement les conseils qui vont changer votre vie. Quand Mbanga Diaspora parle, oui, non, grand, tu as dit quoi? Va mettre là, on a l'Orange Money. Comme ça qu'on encourage. Que grand continue à parler. Voilà le numéro Orange Money. 696 94 32 42. Si c'est les vendeuses de piment qui disent que contribuer, vous allez courir. Voilà une leçon de vie qu'on a en train de donner comme ça là. Que oh, non, je vais aller, mon ami, le prix de ça, ça paye cash. Ça ne ment pas. MTN Money, c'est le 683 40 97 55. 683 40 97 55. Tu es dehors là-bas. Tu as tap tap sen, tu envoies dedans. Elle va acheter les sacs de riz. Elle va m'acheter les lits. Il me faut encore les lits. Il me faut 10 lits. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Vous voulez que le pays avance. Mais vous êtes là parce que quelqu'un est sorti pour une fois. Il est tôt depuis. C'est pour te dire parfois là, quand tu es à la mauvaise place et au mauvais endroit, et quand tu es la mauvaise personne, tu fermes ta gueule. Mouillé, c'est mouillé. Ou tu penses que tu veux parler, tu veux te libérer en vrai. Tu fuis avec ta famille. Vous pensez que si moi là, avec tous les risques que j'ai pris au Cameroun là, que je prends au Cameroun là, vous pensez que si moi, j'avais mangé, ça ne m'a pas tué. On tue souvent les gens parce qu'ils ont mangé hier. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé au Cameroun tout récemment? Ça fait un an. On va beau parler là, on va dire oui, justice. Mais n'oubliez pas qu'il était dans le même clan. Regardez bien que le pire n'arrive qu'à ceux qui sont dans le même clan. Pourquoi? Maurice Kamto à Yaoundé, non? Mais c'est parce qu'il n'est pas avec eux.
Il y a beaucoup de gens au Cameroun là-bas qui ne sont pas avec eux. Que quand ils parlent à la télévision, ils disent ce qu'il a dit. Après, ils se cherchent. Oui, ils se cherchent. Dans la réunion, il y a encore la réunion. Et quand tu pars ta réunion, sors, tu rentres chez toi. Si tu veux faire la réunion de la réunion, mon ami, tu fais la partie de la sorcellerie. Tu fais la partie de la sorcellerie. Quand tu sais que tu fais partie de la sorcellerie, tu fermes ta gueule. Ce que tu vois, tu chopnétises. Il y a un combattant qui a fait un comportement tout récemment. Qu'est-ce que je vois? Je sais que bon, on partage le même bord politique. J'ai voulu parler, j'ai dit, ah, je me maîtrise. Elle est de mon bord politique. Et c'est sa vie privée. Mais en réalité, c'est un mauvais exemple. Pour nous, en tant qu'Africains, c'est un mauvais exemple. Les autres sont en train de parler de ça. Mais ils sont de l'autre côté. Mais moi, je chope maîtrise. Faites beaucoup attention, petit frère. La sorcellerie existe. La sorcellerie, c'est aussi la mafia. C'est aussi le mode de vie. Les conditions que tu acceptes en disant que non, quand je vais déjà manger, je serai plein, je vais construire ma belle maison. Non. Il y a les risques que ne prends même pas. Parce que là, tu les offres plus de garanties. C'est mieux quand tu vas signer le pacte avec le diable, non? Bêta, non, tu acceptes le vivre heureux, mourir jeune. Je ne veux même pas d'enfant. Je ne me marie même pas. Parce que quand tu te maries déjà là, ta femme c'est déjà une garantie. Tes enfants sont, c'est déjà une garantie. Alors que quand tu es seul, hein, ta garantie c'est toi-même. C'est toi-même. Peut-être tes pauvres parents. Et parfois aussi tu peux décider que je meurs seul. Alors que tes enfants là, même avec ou sans ton accord, on les arrache seulement. Parce qu'ils sont les premiers à profiter de cet argent là. Ils dorment dans la maison que ça va être l'argent des esprits de ces gens-là que tu as construit. Donc automatiquement, c'est facile pour eux. Vous croyez que c'est quoi? La sorcellerie se comporte comme la mafia. Comme ce qu'on a en train de faire à Bino Bidjan. Tu fais partie des nôtres. Ce n'est pas toi qui dois dire telle chose. Quand les gens se lèvent, pour aller où? Voilà les Bibounissa qui sont en prison. Ils ont fait quoi? Combien de fois toi, au lieu qu'on crie pour Bibounissa, tu cries pour qui? Bibou Nissak, même étant en prison, reste debout. Alain Foguet reste debout. Je suis allé voir Bibou Nissak en prison. Je l'ai salué, mais attendez, moi qui suis un sportif, le gars m'a salué, mais j'ai vu l'énergie que Bibou Nissak avait. Mais attendez, il m'a salué, il a bougé ma main comme ça. Il a dit, hey, Alain Foguet est déterminé. Il est en prison. Est-ce que vous parlez d'eux? Est-ce que tu t'es inscrit sur la liste électorale? Est-ce que tu t'es déjà inscrit? Tu ne parles pas des militants qui sont injustement enfermés. Tu viens me parler d'un gars qui est lui-même un partisan du moindre effort qu'on a érigé en modèle, qui a mangé ta souffrance. Il vivait bien. Il vivait lui bien dans son coin. Au lieu de fermer sa gueule, comme j'ai vu un artiste aussi à deux balles là, qui dit que non, il doit que payer seulement Malox. Mais c'est vrai ce qu'il dit. C'est vrai ce qu'il a dit, c'est clair. Arrêtez d'être idiot quand même. Voilà les Issama au Cameroun. Mais attendez, il crie chaque jour, non? Il ne dénonce pas. Mais qu'est-ce qu'il arrive? Parce qu'on sait qu'il n'a pas mangé. Tu peux vivre dans les appartements qui coûtent cher. Tu as conçu la maison à ta mère. Tout et tout. Attendez, mais vous les Camerounais, vous êtes même bêtes parfois là. Vous voulez qu'on... Pourquoi? Par rapport à quoi? Je vois même une là aussi, celle-là qui est là-bas. Petite soeur, je ne sais même pas. Vraiment, vous êtes sur la toile. C'est tous les vues qu'on cherche là. Que si vraiment on ne se lève pas pour Bino Bidjan. Bino Bidjan est un exemple de société. Un bourreau. Un agent de la mafia. Quelqu'un qui est dans la mafia. Qui a bâti son image. Sa petite vie de merde. Sur la souffrance des Camerounais. Regardez-moi, petite soeur, tu es mauvaise, hein, petite. Toi, la petite fille là qui est mince comme ça là. Tu es mauvaise, hein, petite. Et tu as les enfants. Mais toi là, tu es mauvaise, hein. On t'appelle, c'est étoile quoi là? Tu es mauvaise, hein, petite soeur. Tu as les enfants. Hein? Il faut bien te maîtriser. Hein? Je n'aime pas me mêler de vos affaires. Parce que vous avez les affaires trop de sang, caleçon, mélange, les clashs par-ci par-là. Mais tu es mauvaise. Hein? Vous êtes toujours en train de supporter. Quand tu vois là quelqu'un, appelle celui-là. Ou bien c'est le Ahmed, ta mère là. Quand tu vois là quelqu'un le côtoyer, il devient un monstre. Après, vous allez me parler que Fleur de Lille. Fleur de Lille est aussi dangereuse. C'est les filles que, pour eux, c'est leur intérêt. Elle n'avait personne, en fait. Elle n'avait personne.
Tu vois les vidéos, quelqu'un qui insulte ta tribu, une femme digne, encore une femme. Toi là, hein, toi là. Toi là, toi qu'on appelle fleur de lys là. Ta femme sera trop grave. Moi, je te dis. Aucune dignité que Mafo. Ah, Mafo. Mafo de merde. Donc, tu dis que tu es Mafo. Mafo veut dire en Bamileke, la mère du roi. Donc, tu es la mère du chef. Et tu côtoies quelqu'un qui insulte ta tribu. Qui fait de ta tribu son combat. Qui humilie ta tribu. Et vous dites que vous êtes des personnes pieuses. Des personnes dignes. Vous êtes des personnes incervelées. Je ne peux pas, je ne demande pas que tu sois son ennemi. Mais il y a des gens avec qui on ne s'affiche pas. Il y a des gens avec qui, quand on est quelqu'un de digne, de pieux, on ne s'affiche pas avec elle. Mais quand vous, votre vie, le succès à tout prix, je vous ai dit l'autre jour, il y a les prisonniers en prison là qui sont milliardaires. Les Mbengon sont en prison, ils sont milliardaires. Et beaucoup d'eux n'ont pas encore démissionné du RDPC. Mais ça fait déjà les années qu'ils sont en prison. Les Iya Mohamed sont en prison. Les Amadou Valmo qui sont en prison. Ok? Mendoza est mort en prison. Malgré qu'ils sont morts, l'argent que ces gens ont, vous n'avez pas. Nous, on n'a pas. Soyons du bon côté. La dignité, c'est aussi un mode de vie. Ce n'est pas la parole que je suis digne. Non. Vous faites honte sur la toile. Vous faites honte sur la toile. Vous avez les enfants, mais vous avez des comportements bizarres. Soutenez les gens, mais avec de tact, avec de l'élégance, avec de la classe. Quelqu'un insulte ta tribu, tu peux faire les vidéos jusqu'à tu lui fais bisous. Tu prends un autre, tu le mets dans sa bouche. Tout parce que c'est le buzz. Pourquoi? Pour les vues. Pas de dignité. Demain matin, vous dites qu'une petite fille, peut-être la petite fille a été traumatisée. Comme j'ai toujours dit, peut-être elle a été traumatisée parce qu'on ne l'aide pas. Il y a des personnes que si on aide, ce seront des belles personnes, ce seront des personnes normales. Mais vous, chaque jour, vous recevez l'aide des gens. On vous aide. Vous avez une communauté qui vous aime. Mais vous êtes toujours dans la boue. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on cherche à la fin? On cherche quoi à la fin? On dit qu'on n'a pas. Il y a des gens qui n'ont pas la dignité parce qu'ils ont faim. Parce que parfois, ils ont faim. Mais les gens ont déjà presque tout. Mais ce sont toutes elles qui sont dans la boue. Que celui-là même. Je peux faire quoi lui-là? Il m'a appelé une fois au Cameroun pour les affaires de machines de canne à sucre. Monsieur, je vends les cannes à sucre. Mon ami, c'est mon quartier là-bas. Je suis un homme respecté, respectable. J'ai une famille. Pour ceux qui disent que Banga Diaspora, tu parles comme ça. Monsieur, ça fait 22 ans de vie commune. 20 ans, l'acte de mariage. Mon acte de mariage a 20 ans. Vous comprenez bien, j'ai 44 ans. Je ne suis pas un enfant. Donc j'ai vécu. Voilà, j'ai toujours dit, l'acte de mariage n'est pas un signe de réussite sociale. Ok? Ce n'est pas avec ça qu'on peut narguer les gens. Mais je dis bien que je me suis marié, ça fait 20 ans que j'ai signé l'acte de mariage. Donc quand je parle de certains sujets, je sais de quoi je parle. Un homme qui a des enfants doit avoir la dignité. Il y a des choses que parfois on peut parler, mais tu dois être dans ton coin. Mais je ne peux pas fréquenter certaines personnes dans ma vie. Et pour dire quelque chose, je regarde bien. Que aussi, la jeunesse camerounaise ne lève pas. Quel jeune? Il est un exemple pour la jeunesse. Bruno Bidjan est un exemple pour la jeunesse. La jeunesse fabriquée. Montre-moi son parcours. Est-ce qu'il a le genre de vie? Oui, tout le monde ne doit pas être misérable. Tout le monde ne doit pas être misérable. Mais est-ce qu'il a le style de vie de ses grands frères, de ses aînés qui sont plus talentueux que lui? Il a quel ouvrage? Les meilleurs comme les Jean Jarzé n'ont pas son style de vie. Les meilleurs comme les Bruno Tagne n'ont pas son style de vie. Même ses parents, même son père qui est journaliste depuis les années, n'a pas son style de vie. Exemple copté, fabriqué. Pour venir vous détourner. Quand tu cries, on sent que tu es amoureux de tout le monde, tous les jeunes qui. Tout ça parce qu'on veut la visibilité. J'aurais appris que tu es marié, toi là, on l'appelle, c'est quoi, étoile là. Tu es marié, regarde comment tu pars t'accrocher avec un homme. Regardez-moi les gens comme ça là même. Femme sans dignité. Tu es marié et quelqu'un qui a une sale réputation, tu pars t'accrocher avec lui. Après, vous avez parlé que non, je suis quelqu'un de digne. Ça montre votre côté naturel là-bas. Une femme qui est mariée,
qui est la femme de quelqu'un, qui a les enfants, monsieur, madame, quelle que soit la visibilité, il y a les relations qu'on tient à distance. Comment? Attendez. Voilà le 8 mars, non? Je dis non à ça. Que ma femme tente. Que ma femme tente. Jusqu'on m'envoie une photo d'elle que là, voilà. Tu vas aller faire ça qu'ailleurs. Mais tant que tu es chez moi, là. Mais tu m'arrêtes ça vite. Arrête-moi ça vite. Tu m'arrêtes ça. Là, comment? Vous êtes là mariés. Même si nous sommes dans le monde moderne, le blanc, quand le blanc t'aime et qu'il connaît que celui-là se comporte mal, il ne s'affiche même pas avec toi. Vous voulez montrer quel genre de modernisme? Encore chez le blanc. Le blanc connaît que tu es quelqu'un qui insulte même seulement ta femme. Que tu es quelqu'un qui violente seulement ta femme. Tu deviens son ennemi. Le blanc connaît que celui-ci, c'est un raciste. C'est un xénophobe. C'est un tribaliste. Mon ami, il évite de s'afficher avec toi. Parce que sa réputation en dépend. Que oh, mon image. Quelle image de merde comme ça là. Vous ne valez rien. Vous n'avez aucune dignité. Vous n'avez pas de tact. Vous êtes tous dans la boue. Vous êtes quelle vue même. Quand ce bon a 50 000 abonnés, c'est là beaucoup pour vendre ses marchandises. C'est clair. Vous emmerdez les gens. Mais dis-moi, je suis un donman. Pour comprendre ce que je comprends, il faut être un donman. Pour atteindre le niveau spirituel, moral, intellectuel que moi j'ai, il faut être un donman. Je suis en Indonésie, petit frère. Il y a combien de blogueurs que tu connais qui sont déjà arrivés loin ici là. Quand je suis entré en Europe en 2000, là, beaucoup de vous n'étiez même pas encore nés. Quand je traversais la Libye en 2000, vous n'étiez même pas encore nés. Donc j'ai un donman plein. Maintenant je me retrouve en Indonésie. Donc calmez-vous quand je parle. Je suis un donman plein. Et quand je parle, je suis un homme calé. Elles n'ont pas de dignité. Quand tu es une femme mariée là, tu ne fréquentes pas n'importe qui. Surtout quand tu deviens un personnage public. Et que quelqu'un a, quelle que soit ton affinité, quelles que soient vos affinités, quand tu es un personnage public, mon ami, ta réputation en dépend. Même si c'est ton frère, même, je connais des gens qui ont les frères, même. Mais son frère a une mauvaise réputation, il ne le fréquente pas. Je connais un préfet qui est jumeau. Il ne fréquente pas son frère. Il ne reçoit pas son frère. Parce que son frère, lui, c'est un braqueur, c'est un bandit. Il a passé toute sa vie en prison. Même la photo. Tout le monde connaît. Quand ils sont là, on veut à ceux qui ne se filment pas avec son frère. Parce que c'est une mauvaise réputation. Tu as fait comment? Mais vous êtes là, pas de dignité. Pas de dignité. Il y a des gens que parfois il faut aider. C'est pourquoi j'avais commencé à jouer la musique de celle-là. La petite de la Oshiga. Il y a des gens parfois qui deviennent bizarres parce qu'elles veulent l'aide, on ne les aide pas. J'ai joué sa musique et je recommande toujours à mes fans d'aller là-bas. Parce qu'elle s'est fait tromper. Maintenant, tu pleures. Je vais faire une vidéo, je vais te laver. Et tu avais dit que tu viens. Il y a là l'appartement pour toi à Douala. Et tu devais rouler avec la Mercedes. ML350. Catmatique. Tu as dit que wow, je ne veux pas être quatrième femme. Te voilà. Tu vas lire. Tu vas que lire. Et il est temps déjà de quitter derrière ce gars-là. D'abord, va d'abord faire tes examens. Ça, c'est un mauvais gars. Il ne peut rien te donner. Quelle visibilité? Vous croyez que parce qu'on a les abonnés, c'est la visibilité que tu as? Non. Tes abonnés ne reflètent que ce que tu es. Quand tu es fou, tes abonnés sont les fous. C'est clair. Ils sont là pour voir ta folie. Parce qu'ils se reconnaissent en toi. Moi, j'ai des abonnés qui réfléchissent comme moi. C'est pourquoi quand je dis quelque chose, on fait. C'est pourquoi quand je dis que bon, aidons tel, ils aident. Faites comme ça, on fait. Faisons le forage, je vais 10 millions, ils cotisent. Parce qu'ils sont des personnes conscientes. Co-abonnés. Abonnés de quoi? Quand tu dis qu'on t'insulte partout, mais c'est ce qui te mérite. Parce que c'est un insulteur. On t'insultait puis parce que il était en commun d'accord avec toi. On doit t'insulter.
Parce que c'est ce qui te mérite. Il y a des gens qui n'ont pas des abonnés, mais ils impactent. Nous sommes du bon côté. On a choisi le bon côté. On a été arrêté 4 fois au Cameroun. On nous torture, on nous laisse. On ne change pas la manière de parler. Alors qu'on a une vie mieux. Je ne tape pas ma poitrine. Je fais partie des blogueurs un peu mieux que plusieurs personnes sur la toile. J'ai mes accessoires. Je vis la vie de star. Au Cameroun, je vis la vie de star. Est-ce que je manque? Quand je viens, on ouvre le portail, j'entre avec ma grosse voiture. Mais est-ce que je manque? Les gardiens sont dans la cour avec les chiens. Je vis la vraie vie des stars. Elle s'est donnée à n'importe qui. On te dit que viens être ma 4e femme. Tu dis que non, il a dit qu'il a 4 femmes. Et puis quoi? Que d'aller vivre avec un irresponsable, monogame. Bêta, tu es 4e femme d'un irresponsable. Et tant tu lis là, que je ne sais pas où tu es. Tu vas partir où maintenant alors? Moi, j'ai un problème, je suis un barantin. Je ne prends pas ce qu'on a jeté. Je n'aime pas ce qu'on a jeté. C'était l'opportunité pour toi. Les gens t'ont dit que viens, Banga Diaspora a besoin de toi. Que wow, wow, wow. Maintenant, alors, il faut maintenant aller voir. Maintenant, il faut que je t'amène à Singapour, on va faire le check-up total. Total, check-up total. On va voir s'il n'a pas mis quelque chose sur ça, ou bien sur le poison, c'est quoi. N'importe quoi. Moi, je dis bien. Oh. On t'appelle, c'est qui là? Ah, Star Living. Oh, Star Living. Star Living. Star Living. Ne touche plus mes vidéos. Star Living, ne touche plus mes vidéos, dis donc. Ne touche plus, pourquoi tu prends mes vidéos? Mais on a un contrat. Star Living, ne touche plus mes vidéos, dis donc. Mais c'est quoi avec toi, non? Ne prends plus mes vidéos, dis donc. C'est quoi avec toi? Ne prends plus mes vidéos. Comment? Donc c'est vous ceux qui ont l'argent. Ne prends plus mes vidéos. J'ai signé un contrat avec une maison. Ne touche plus mes vidéos Star Living. Allez sur la page de Star Living, son compte YouTube là. Voilà les gens qui volent les œuvres des gens. Ils ne les versent rien en retour. Le compte YouTube Star Living. Je vais me plaindre à YouTube. On va déconnecter ton compte là. Je suis en train de travailler. Ne touche plus mes vidéos. Ne touche plus mes vidéos. Parce que je vais faire là tout à l'heure. Je vais partir sur YouTube. Que tu as appris. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as monté là-bas. Comme je suis en direct là. Lui, il est déjà en direct là-bas chez lui. Il ne faut plus qu'il touche mes vidéos. C'est même quoi ça, non, dis donc. Mais quelle malchance, ça. Allez sur son compte. Allez sur son compte YouTube. Allez sur son compte YouTube. Allez sur son compte YouTube. Vous lui dites qu'il ne touche plus mes vidéos. Moi, je vais écrire à YouTube. Je suis là où il y a tout. Je vais aller écrire à YouTube. Donc, tout ce qui arrive à Bino Bidjan, ça ne pouvait que l'arriver. Voilà ce qu'on dit. Quelle que soit la longueur de ta cuillère, il ne faut pas signer le pacte avec le diable. C'est ce qui arrive quand tu signes le pacte avec le diable. Donc c'est une leçon de vie à mes petits frères. À mes petits frères qui aiment la vie facile. Le coup chemin. Que non, je vais jongler. Après, je vais les fuir. Ton succès, ton bonheur est comme ton ombre. On ne fuit pas son ombre. Désolé. On ne fuit pas son ombre. Ok, on ne fuit pas son ombre. Ton succès, ton bonheur, ta réussite est comme ton ombre. On ne fuit pas son ombre. Donc ça veut dire que tu ne peux pas fuir la main qui a fait de toi ce que tu es. Tu ne peux pas. Donc il ne sert à rien de même commencer. Parce que ce sera même plus mauvais encore. Parce que tu fuis, ils vont prendre tes enfants. Tu fuis, ils vont prendre tes enfants. Donc ne pense pas que quand tu prends là, tu manges, tu es plein, tu construis la belle maison. Et maintenant tu dis que bon, venez me prendre, sacrifiez-moi. Ils vont refuser. Ils vont prendre ta femme, ils vont prendre tes enfants et ils vont te prendre. Ils vont te prendre. C'est clair. Faites beaucoup attention. En bon entendeur, salut. Va lentement et sûrement. Voilà.
Mais attendez, mais l'argent là, c'est l'argent de tout le monde, mais il a donné ta part. Il fallait qu'il prenne, il se cherche. Si son père était éveillé, son père devait dire que petit frère, vas-y, je vends toutes les voitures à Padilla et t'envoie l'argent. Il était sauvé. L'intention, la première intention est toujours la meilleure. Mais comme le diable est tout plus malin, tu sais, quand quelqu'un te donne de ces choses, il prend ton esprit en retour, il contrôle ton âme. Mais tu penses que tu le contrôles. Mais lui, là, il a la longueur d'avance sur toi. C'est ça, on dit la spiritualité, non? C'est la sorcellerie, non? C'est la sorcellerie. Quelqu'un te donne beaucoup de choses. Il te contrôle. Il te tient. Il te donne le goût de la vie. Tu es content. Il te donne les millions, la belle vie. Il ouvre les portes, on te connaît partout. Tu chicoles les gars par-ci, par-là. Les gars sont amoureux de toi. C'est-à-dire que les gars te yamont. Tu bonnes tes mounas, tu es à l'aise, tu dors bien dans les grosses chambres. Tu loues les grands appartements. Tu offres la maison à ta mère. Tu offres la voiture à ton père. Regardez, voilà la sorcellerie. Mon ami, il te tient. Il te tient. Tu ne peux plus rien. Il contrôle ton esprit. Il contrôle ton âme. Plus tu te responsabilises, plus tu t'enfonces. Il te contrôle. Il est au courant quand tu as le deuxième enfant. Il te contrôle. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. La seule manière de t'en sortir, de fuir, c'est de fuir avec ta femme et tes enfants. Parce que même ta femme connaît beaucoup de choses. En contrepartie, peut-être c'est même ça qui fait à ce qu'on l'a libérée. Vous ne voyez pas même les scénarios petits. Voilà une gars qu'on dit qu'elle était dans une affaire de t'aimer quelqu'un. Voilà une gars qui était la copine d'un gars qu'on a aimé. Subitement, on veut voir, on l'accuse. Après un moment, on te dit que non, elle était libérée purement et simplement. Regardez bien. Donc, monsieur, on te couvre sur toi. On couvre ta femme. Même toi-même, on te couvre. Mais c'est toi qui viens dire telle chose. Voilà là où certaines blogueuses, vous fermez la gueule. Venez enseigner la jeunesse. Que wow, si la jeunesse ne se lève pas pour Bino Bidjan, je ne parlais plus pour la basse classe. Toi, tu es d'abord qui même d'abord? Qui te connaît au Cameroun? Qui te connaît? Ça fait des années qu'on est sur la toile. On ne te voit jamais au Cameroun. Tu n'es pas en exil. Toi, la fille là. Et c'est étoile quoi là, même. Depuis les années que on te voit, c'est aussi ça même une vraie Camerounaise. On voit les autres filles partir au Cameroun chaque temps là. Mais toi, tu es coincé dans ton coin là-bas. C'est toi qui dis que si la jeunesse camerounaise ne se lève pas, au lieu de prendre sa vie, donner la leçon aux gens. Mais comme vous êtes là pour distraire les Camerounais, que vous, Bino Bidjan, comment d'abord par la jeunesse? La jeunesse dit quoi? La jeunesse dit quoi? Il vient d'où celui-là? Il est dans quel clan d'abord? Il y a des gens qu'on ne supporte pas. On le voit partir, on le laisse. Parce que c'est ce qu'il avait choisi. Et c'est ce qu'il attendait. Vous voulez quoi? Tu t'assois, tu manges, on appauvrit les gens, on donne ta part. Et demain tu dis non. Et tu es tout là, tu es malade. Tu es malade comment? Tu es malade comment? Depuis quand les gens qui ont faim vont te soutenir? Depuis quand quelqu'un qui n'a même pas de quoi manger va venir te soutenir? Il fallait dire non et t'engager dans le combat. Les Bibou Nissak sont là en prison. Les Alain Fogui sont en prison. La majorité des jeunes du MS sont en prison. Ils sont nombreux en prison. Moi, même si on m'a tapé, on m'a torturé. Si j'étais un pauvre, je pouvais faire comment pour sortir du Cameroun? On m'a bloqué 3 ans là-bas au Cameroun. 3 ans. Je dis que si je n'avais pas les moyens, je pouvais faire comment pour sortir? Si j'étais un combattant qui n'a rien. Peut-être j'ai de quoi manger. Si je n'avais rien, je devais faire comment? Il faut arrêter ça. Hein? Arrêter la distraction là. Arrêtez la distraction. Au départ, on me disait qu'on paye les gens pour distraire les gens. Mais je comprends qu'il y a beaucoup là, hein, c'est vrai. Il y a beaucoup là qu'on distrait, qu'on paye. Oui, oui, c'est vrai. Et non, il y a beaucoup qu'on paye. Bizarre. Hein? Il faut arrêter ça. Hein? On voit les blogueurs chaque temps. Je vois la petite fille là, celle qui écoute comme ça là. Je la vois là, pas chaque temps au Cameroun. Même tous ces sorciers là, certains là. Mais toi, tu n'es même pas parti au Cameroun. Ah, ben. Et tu n'es pas en exil. Tu es exilé. Tu n'es pas en exil. Tu as quel problème? Les Marseillais, ils voient les J. Rémi Ngono, tout ça, les Calibri Calibro. Ils sont en exil. Même les Paul Chouta ont parlé au Cameroun. Et toi, tu t'assois là-bas que si la jeunesse camerounaise ne se lève pas. Les gens pensent qu'ils sont des êtres importants. Hein?
Ou bien c'est les abonnés qui vous trompent. Nous là au Cameroun, quand nous on passe, même les Benskinais s'arrêtent pour nous saluer. Les Benskinais qu'on dit qu'ils n'ont pas l'Android là. Quand nous on est quelque part, ils viennent, ils s'arrêtent, ils prennent les photos. N'importe quoi. Quand nous on est au Cameroun, même les autorités s'arrêtent, ils nous saluent. Et rien que moi, quand je suis au Cameroun, dans ma voiture, que je sois à Yaoundé, Nkonsamba, Mbanga, alors n'en parlons pas. Douala, n'en parlons même pas. Oui, je porte le masque. Il n'y a pas un bureau que j'entre comme ça là. On ne dit pas que Mbanga, petit frère, vraiment j'aime tes vidéos. Même les niais. L'autre dit qu'on va t'arrêter, on va te taper. Mais j'aime ce que tu fais. Même les grands, grands niais de la Sémine là, nous connaissent. Ils ont même nos numéros, ils m'appellent. Que petit frère, vraiment, tu veux que mourir seulement. C'est ce qu'on t'a fait là. Mais ils sont là. Ah, là, tu t'assois, que je prends là, tu n'es même pas important, rien. On a dit que les camarades, ça suffit. À un moment de la vie là, c'est le terre à terre. Ah, cherchez votre argent doucement. Cherchez votre argent. À un moment de la vie là, si tu n'es pas en exil comme mes frères que j'ai cités les noms là, parfois il faut descendre au pays. C'est aussi un exemple de vie là-bas. Vous asseyez pas là, vous racontez les vies qui n'ont pas de sens. Que si les Camerounais ne se lèvent pas, quelqu'un là, il a deux voitures pendant que les gens souffrent. Hein? Il a aidé les gens à être là-bas. On parle de Vision 4. Une chaîne qui a poussé et qui a dit qu'on peut raser tout un village. Quand on a déchaussé ces grands frères, il n'a pas vu. À qui le tour? Qui vivra, verra. Quand on a déchaussé ses frères, il n'a pas vu. Quand on a envoyé David et Boutou en prison, il n'a pas vu. Quand on a neutralisé son patron, il n'a pas vu. S'il était un enfant éduqué qui n'a pas le gros cœur, il ne fuyait pas. C'est ça qu'on dit la loyauté. La loyauté, c'est aussi avoir les yeux pour voir. Et mon patron qui était l'ami des gens ici, là, si on le fait ça, je sens qu'il faudra que moi-même je fuis. Hein. Tu fais semblant d'être là. Un matin, tu narpasses, tu te cherches. C'est ça qu'on dit un wise man. Mais comme tu veux rester, continuer à narguer les jeunes, tu es un napas. On t'a fabriqué comme un napas. On t'a érigé en exemple de la société camerounaise. Les nous, si on nous voit, ah, dis donc, il bavarde. C'est un bamileke. Ah, il supporte Maurice Kamto. Ah, il a fait quoi? Nous, on fait des choses au Cameroun. Qui nous accompagne? Vous parlez de nous. Donc, pour vous, là, parce que quelqu'un est à la télévision, il parle. Quelqu'un qui est encore complexe de la télévision, c'est un villageois. La télévision, c'est quoi? Voici le moyen le plus facile aujourd'hui de communiquer. C'est le moyen le plus approprié. Ça, c'est le contre-vérité. Le contre-mensonge. Ça, les réseaux sociaux. Donc, parce que quelqu'un s'assoit, il vient là raconter sa vie à deux balles. La vie fabriquée. Voilà ça aujourd'hui, la fin. Il s'est caché comme un petit rat. Moi, on ne me cherche pas. On vient chez moi, on tord la porte. Je pars avec eux. Ils ont arrêté ma femme. Ils ont cru que je suis parti me rendre moi-même. Je ne fuis pas. Parce que ce que je dis là qui est la vérité. Vous avez fait quoi? Je fuis. Vous m'avez dit, je ne vous dois rien. Que monsieur, on peut ouvrir une enquête sur toi, sur ta maison aussi. On a mamie Pima, c'est ma maison. C'est ma maison. Et donc, tu habites dans un grand quartier comme ça là. C'est ma maison. Toi-même, le colonel, tu peux justifier ton argent. Fonctionner à deux balles. Tu es là, tu roules dans une voiture de 50 millions alors que tu as un salaire de 300 000. Tu demandes à un homme d'affaires où il a pris l'argent. Attendez, regardez-moi cela même. Parce que c'est que c'est ma maison. C'est mon argent. Voilà. Ah, vous venez dire qu'on va supporter quelqu'un qui est devenu quelqu'un à la souffrance des Camerounais. Avec la souffrance des Camerounais. Qui est là. Et que pendant qu'il marchait, il voyait comment ses grands frères tombaient, trébuchaient. On a manqué le respect à son grand frère Obama, lui-même. Un ancien chef de gang lui-même aussi dans la maison là. On lui a manqué le respect. On a manqué le respect à l'un des meilleurs journalistes. Hein, Jean-Jacques Zé. On lui a manqué le respect. Hein? On a manqué le respect même au papa. Même au père qui était sénateur là-bas, oui, c'est Albert Mbida. On lui a manqué le respect. On a manqué le respect à plusieurs personnes. La même chaîne a manqué le respect à les Dieudonné et Sumba. On lui a manqué le respect. Tout ça, toi, un jeune gars, tu ne vois pas que loyauté. Mon ami, on est loyal avec Dieu. On n'est pas loyal avec le diable. Arrêtez ça. Bande d'égarés comme ça là. Alors, bande d'égarés.
Qui lise là, là-bas, lui seul. Il fait quoi? Plein de tintin comme ça. Bonjour, bonne journée. Et bonsoir, bye.